Salut à toi et bienvenue dans cet espace. Bienvenue pour cette méditation guidée que tu as choisie. Un voyage dans lequel je vais t'amener au sein d'une forêt tropicale qui te permettra de renouer avec la beauté unique de ton être. Assure-toi de mettre ton téléphone en mode avion et de ne pas l'être dérangé. Tu peux t'installer comme tu le souhaites, assis ou allongé, confortablement. À présent, ferme les yeux et laisse-toi complètement aller sur le support sur lequel ton corps repose en ce moment. Permets à ce corps de se relâcher en profondeur. Prends quelques instants. Des instants de rien, où il n'y a plus rien à faire. Sois juste réceptif ou réceptive à cet abandon que je te propose, à la détente qui déjà commence à s'installer. Relâche-toi. Abandonne complètement tout ton être à cette détente. Tu vas imaginer que tu es allongé sur quelque chose de très doux, de très moelleux, dans lequel ton corps s'enfonce progressivement. Alourdis-toi doucement. Tout ton corps devient lourd et tu peux le sentir devenir lourd, de plus en plus lourd, et de plus en plus dans cette détente. Et dans ce bien-être complètement relâché de partout, lourd, très lourd. À présent, concentre-toi sur ta respiration. Sens cet air qui pénètre dans tes narines. Plus frais à l'inspiration et plus tiède à l'expiration. Tu vas maintenant compter mentalement le temps que tu vas mettre pour inspirer. Et tu vas essayer de doubler ce temps sans forcer. D'allonger tes inspirations. Tu vas faire la même chose pour tes expirations. En essayant de les allonger, elles aussi, au maximum.
Continue à compter lentement dans ta tête. Et fais en sorte que ça ne soit absolument pas fatigant pour tes poumons, ni pour ton esprit. Et n'hésite pas à diminuer le comptage et à adopter celui qui te convient. Tu vas essayer de faire durer l'expiration plus longtemps que l'inspiration, peut-être sur un rythme de 5 secondes en inspire et de 10 secondes à l'expire. Si c'est trop pour toi, compte plutôt 4 et 8 ou encore 3 et 6. Écoute simplement dans le respect ton rythme à toi. Approfondis cette respiration. Et continue sans relâcher la tension à inspirer en comptant et à expirer en comptant. À présent, tu vas pouvoir revenir à une respiration normale et accueillir cette onde bienveillante, bienfaisante, de décontraction qui relâche tes orteils, tes pieds et monte vers tes chevilles, tes mollets, tes genoux, tes cuisses. Les jambes s'alourdissent. L'onde de relâchement se répand dans ton bassin, dans ton ventre. Ton ventre se desserre, tes organes se relaxent dans ce grand espace interne et s'alourdissent eux aussi. La respiration est toujours calme et tranquille. Et cette onde de détente vient à présent masser et décontracter le diaphragme, les poumons, ton cœur. Tu peux sentir ce cœur se laisser bercer par ta respiration. Laisse maintenant l'onde de relaxation se répandre dans tout ton dos. Laisse-le s'étaler sur toute sa largeur, s'enfoncer dans le support. Et tous les muscles de ton dos se détendre en même temps. Ton dos, tes jambes, ton ventre, ton buste,
Tout est absolument décontracté, relaxé, lourd, très lourd. Cette onde relaxante pénètre maintenant dans tes épaules, tes bras, tes coudes, tes avant-bras, poignets, les mains et tous les doigts. Le courant de détente monte vers ton cou et décontracte ta nuque, ta gorge, les mâchoires qui se desserrent, déglutis pour bien détendre cette gorge, tes joues se décrispent. Paupières alourdissent ta gorge, tes yeux, ton front, ta bouche, tes cheveux. Tout est enveloppé par cette onde de bien-être et de détente absolue. Tout est lourd et paisible, et tu sens ton esprit aussi calme que ce chant d'oiseau. Ta respiration suit ce même mouvement de détente. C'est comme si tout ton corps s'enfonçait dans un tapis de plumes. Tu vas laisser s'approfondir cet état de détente, de relaxation, tandis que je compte jusqu'à 10. Laisse ton corps s'alourdir encore et encore. À chaque chiffre, à chaque compte. 10. À présent, tu es prêt pour partir en voyage, un voyage hors du temps. Il n'y aura rien à faire, juste à te laisser couler jusqu'au bord du sommeil. Et là, comme dans un rêve, tu te trouves sur un chemin, dans une forêt tropicale. Tu portes des vêtements d'explorateur et tu avances tranquillement sur ce chemin. Autour de toi, la végétation est luxuriante. Tu aperçois des singes joyeux qui jouent et sautent de branche en branche dans la cime des arbres. Tu croises de magnifiques papillons multicolores, énormes, qui volent avec grâce
et légèreté. Tu découvres des fleurs inconnues, magnifiques, aux couleurs éclatantes et aux parfums enivrants. Tu ne sais pas où ce chemin te conduit, ni ce que tu vas y découvrir. Et tu as confiance. Et tu sais qu'en progressant jusqu'au cœur de cette forêt, c'est aussi vers le cœur de toi-même que tu vas. Tu es touché par la lumière du soleil qui joue et passe à travers les branches des arbres. Elle donne à la forêt une clarté très douce, très belle. Et tu ressens toute la beauté de cet endroit, tout le calme et la paix, toute la lumière. Autant d'éléments qui commencent à monter dans tes doigts, dans tes mains, dans tes coudes et tes épaules. Et puis cette onde de bien-être coule le long de ton dos, ta colonne vertébrale, en tous les muscles, qui continue de se relâcher. Et ce courant de calme et de paix, de beauté, descend maintenant le long de tes hanches, tes cuisses, tes genoux, de tes mollets, de tes chevilles, de tes pieds. Et cette énergie de bien-être et de paix remplit à présent tout ton bas-ventre, tous les organes, ton cœur, ta poitrine, ta tête. Et tu es là, dans cette forêt, complètement détendu, relâché, apaisé, en harmonie totale avec l'environnement, les arbres, les fleurs, en harmonie avec le monde, la vie, toi-même. Continue d'avancer sur ce chemin et au détour de ce chemin, tu découvres une petite grotte, une porte fermée qui empêche l'accès à cette grotte, comme si quelque chose de précieux était à l'intérieur. Avance-toi vers cette grotte. Un petit singe joyeux apparaît soudain et il te tend la clé avec un air malicieux. Tu es étonné que le gardien de cette grotte soit ce petit singe et tu prends la clé en le remerciant et il disparaît aussitôt dans la forêt. Tu ouvres la porte et tu pénètres dans cette grotte. Ton cœur bat plus vite et tu perçois les battements de ce cœur dans ta poitrine. Tes yeux se remplissent de lumière. Et il te faut un petit moment d'adaptation à la pénombre de cette grotte. Mais tu commences à entrevoir les parois. Et tu découvres là, juste au milieu de cette grotte, un énorme coffre. Un trésor. Approche-toi de ce coffre.
et ouvre-le doucement. Tu aperçois une boîte. Tu prends cette boîte et tu l'ouvres. Et dans cette boîte, un objet précieux qui est le reflet de ton âme aujourd'hui. Tu découvres ce très bel objet. Cet objet représente ce que tu es au plus profond de toi-même. Il illustre ce qu'est ton âme aujourd'hui. Avec beaucoup de respect, tu prends cet objet dans tes mains. Tu ressens son poids, sa texture, sa forme, et tu perçois son éclat. Reste quelques instants en contact avec tes émotions et cet objet. Et puis tu vas reposer l'objet précieux dans sa boîte que tu t'apprêtes à remettre dans le coffre. Le petit singe malicieux surgit et te fait comprendre que tu dois emmener cet objet avec toi, car il représente une partie précieuse de toi-même. Que tu oublies trop souvent et avec laquelle tu vas reprendre contact. Tu es ému par ce cadeau parce que tu comprends que ce singe a raison et qu'il est important pour toi aujourd'hui de renouer avec ton âme, avec l'essence de ton être, le plus authentique, le plus profond. Alors, tu repars avec la boîte. Tu refermes la porte de la grotte et tu poses la clé sur le sol. Tu sais que le gardien de la grotte, le petit singe, viendra la chercher et la gardera. Tu reprends maintenant le petit chemin dans la forêt. Tu retrouves ces grands arbres, cette lumière douce, les rayons du soleil entre les branches, les singes joyeux qui t'accompagnent en sautant, les fleurs, les oiseaux, les papillons qui dansent. Et tu as envie de danser, de sauter, de voler aussi. Tu te sens joyeux, léger, heureux. Car tu viens de retrouver une partie de toi-même qui te fait sentir le bonheur et l'essence même de la vie. Puis, en conservant ce sentiment de joie et de légèreté, et en emportant l'objet précieux qui représente ton âme, tu vas quitter la forêt et revenir. Tu vas ramener doucement ta conscience dans la pièce où tu te trouves. Conscience de ta position, de ta respiration. Conscience de tes pieds, de tes jambes, tes mains, tes bras, ton dos, ta tête. Tout
tout ton corps, que tu commences à bouger lentement. Tu peux t'étirer et bâiller et revenir dans le respect de toi-même, à ton rythme, tout en gardant cette pleine présence et ce sentiment de joie d'être toi-même, ici et maintenant. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras réouvrir les yeux et prendre tout le temps dont tu as besoin et sortir tout doucement de cette relaxation en conservant l'état de détente et de bien-être. Et tu pourras ensuite retourner à tes occupations ou dormir. Tout ce que tu auras envie de faire. Merci. À bientôt. Namasté.